Bien le bonjour, chers amis youtubeurs, on se retrouve pour un nouvel épisode. Comme vous voyez sur l'image réduite de la vidéo, on s'attaque au train avant. Donc, bien sûr, il a fallu que je commande de nouvelles rotules. Les rotules actuelles qui étaient sur le train avant ont fait leur vie, quoi. D'accord? Donc, dans la vidéo, vous allez voir que je vais peindre sur les rotules, sur les anciennes rotules. Ne me faites pas la réflexion, hein. Je sais que je dois les changer. Donc, je m'en bats les steaks des rotules. Donc, j'ai peint dessus. Ne faites pas de gaffe à ça. Bonne vidéo.
De la bonne petite piécette pour le châssis. Donc si l'on bloque pour la barre stab, les flexibles Avia pour les freins, à savoir que j'ai commandé aussi tout ce qui est flexible en cuivre avec les banjos et tout qui vont bien. J'ai recommandé les petites plaquettes pour bloquer les durites, la petite plaie qui va bien parce que c'est la merde, sinon je défonce tout. Le petit répartiteur de frein pour l'arrière. Les petits joints pour faire passer les durites de frein dans les tôles du chapeau de Napoléon et à l'arrière au niveau du plancher. Les petits caoutchoucs qui se mettent entre le châssis et la carrosserie. Les deux petits soufflets de cardan. Je me suis fait plaisir, je me suis pris un petit soufflet de frein à main. Les silen blocs au niveau de la boîte de vitesse. 1 mètre cylindre tout neuf. Les 4 mètres cylindres par tambour, je ne m'abuse. Donc ça, c'est les mâchoires de frein. Deux à l'avant, deux à l'arrière. Bien sûr, là, c'est le kit complet, hein. Donc bien sûr, je pense que je ferai une vidéo exprès pour les freins. Donc ça sera vraiment à ce moment-là que je le ferai. Ça, c'est les joints pour le train avant au niveau des pivots là. Les deux petits caches poussière pour l'amortisseur avant. Donc deux amortisseurs avant, deux amortisseurs arrière. Mes deux petites butées ou silen bloc comme vous voulez
Pour les 1200, apparemment, c'est fait exprès. Pour les 1200, sur les 1600, il n'y a pas. C'est un autre genre de scie en bloc qu'il y a. Donc, je ne sais pas. Et mes deux tuyaux de frein à main. Et. J'ai dit tuyaux. Câbles de frein à main. Et les câbles pour le chauffage. Voilà. Donc, cette vidéo se termine sur des chapeaux de roue. J'ai fini pour l'instant de peinturer, de décaper, etc., etc. Ici, je vais mettre vraiment une fine couche de peinture grise. Tout ce qui est pivot, c'est fini. Même si je ne dirais point que j'ai fait une grosse bourdasse. Sur la direction, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas envie de dire pompe, parce que ça ressemble pas à une pompe. Mais bon, sur ça là, sur le capuchon au-dessus, il y a une mise à l'air. Donc je me suis dit, pour lui donner un bon petit coup de propre, je vais le sabler. Donc je l'ai sablé tout propre, nickel, chrome. Mais il y avait du sable qui est rentré dedans. Donc ça a été une merde, pas possible à tout démonter. J'ai tout nettoyé. J'ai remis de la graisse propre. Ça a été une merde pas possible. Donc, mes petites barres de direction, pareil. Donc, comme j'avais prévenu au début, pas faire gaffe au niveau des rotules, ça sera changé. Tout est neuf. Et ici, pareil pour le petit pédalier. Il est passé en sablage. J'ai voulu le démonter, mais sur les différents modèles que j'ai vus, il y a toujours ici une goupille. Mais là, c'est soudé. Donc les gens, dites-moi en commentaire si c'est normal ou si ça a été fait artisanal, quoi. D'accord? Voilà, donc je pense que pour la prochaine vidéo, ça sera le remontage du train avant, je pense. Et ça va être peinturage aussi du châssis. Le châssis, je rappelle. Je rappelle que ça va être du Raptor teintable avec sa base. D'accord? Allez, je vous dis bye bye et à la semaine prochaine.